Allez, salut les Zaza, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à la course de Couëron. Plusieurs formats, hein, 10 km, hein, 10 km marche, 20 km solo et 20 km en relais. Donc voilà, moi c'est vraiment cool, cool pépère, je vais faire le petit 10 avec le trail de la course de la semaine dernière et le trail de la semaine prochaine, on va y aller mollo. On est avec une partie de la team running de Nature Man Fit. Superman. Et puis les deux loulous là-bas, le lièvre. Celui à gauche il se traîne un peu hein. Il fait le JM là, il fait le semi en 1.21 donc il se traîne un peu. La fusée. Allez, on va chercher le dossard et puis on y go. Je me suis enlisé. Du coup il y en a un qui est pas venu, du coup je récupère le dossard. Du coup bah en fait je fais pas le 10, je fais le 20. Donc c'est parti pour le 20. La bonne nouvelle. Thomas, comment vas-tu Thomas? Bonjour, comment tu stresses? Allez! Alléluia! C'est parti mon kiki! Bah non, c'est pas parti en fait! Ah, on a tué le lapin! Allez! On va aller hein! Les gars, ils vont partir devant, on va les laisser! Superman! Allez, à tout à l'heure les gars! Moi, je les attends au barbecue moi! Non. Margot juste là, juste là. En fait on commence direct la course avec une un petit dénivelé, une petite côte. C'est bien, ça permet de faire le tri. Ouais, derrière moi il n'y a pas grand monde. C'est nickel. Un quart du parcours, premier ravito. Nickel, plus c'est chaud là, donc ça va faire du bien. Bonjour. Bonjour. Magnifique, merci. On va aller partout devant, je vais voir si je le rattrape. C'est vraiment votre pépère. Ah, c'est plutôt sympa hein. On est au frais, au bord de l'eau, tout ce qu'il faut. Henri qui est là. Une petite côte. Fait long sortir. La pauvre, elle me supporte la semaine à la salle. Je lui hurle dessus pendant une heure, puis je la croise le week-end, je la suis. Persécute. Quand c'est pas un intervalle training, c'est en course à pied. Allez. Merci. Bah, niveau balisage, en fait, il n'y a pas de flèche. Il y a des bénévoles à chaque coin de chaque virage. Du coup, on risque pas de se tromper. Un bénévole en orange, en jaune, avec un gros panneau, genre, c'est par là, qui te dit c'est à gauche, c'est à droite. Mec, c'est un GPS, quoi. Donc c'est nickel. En fait, on fait, je savais pas, mais on fait deux fois le même tour. Donc à la base, j'étais venu pour faire le 10.
Bon, au dernier moment, j'ai au retrait des ossards, j'ai dit, tiens, je vais faire le 20. Mais au final, je sais pas si j'aurais pas dû faire le 10. Parce que bon, deux fois le même tour. Mais bon, il fait beau. Aurore est toujours devant. C'est nickel, impeccable. Ça va permettre de tester les espèces de genouillères rotules là que j'ai acheté. On a un petit peu mal au genou souvent au bout de 15 km. Donc merci. Hop. Ravitaillement. Ah bon, un coup impeccable. Il y a du vent rouge. Vas-y, je te rejoins, moi, t'inquiète pas. Bonjour tout le monde. Oh, bah oui, un petit coca, pourquoi pas. Là, ça va revivre. Moi, oh, ça s'arrête pas. Hein. Alors, mode machine de guerre. Moi, oh, j'ai dit un coup de pépère. Elle est tout au bout là-bas. C'est bien, ça me fait de la compagnie. Parce que les trois zouzous là, eux, sont déjà rendus loin. Là, loin, on court pas vite, on court à 13 km/h, tu vois, t'as raison. Sans moi. Salut! Eux, ils descendent, nous, on monte. Si je l'ai dit, vous voyez toujours la Aurore qui est en bleu devant. Donc Aurore, je sais plus si je l'ai dit, en gros c'est une adhérente d'Almafit là où je travaille. Et du coup c'est la première fois, c'est un peu à un hasard que je la suis, parce qu'elle a un rythme qui me convient très bien pour cette course, mais en plus elle a un super bon rythme. C'est pas n'importe quoi, c'est toujours régulier. Donc gros pouce bleu pour Aurore, comme son t-shirt. Et elle va finir. Ouais, dans 18 bons kilomètres, c'est fini. Je vous verrai son arrivée. Bonjour. Allez, bonjour. C'est par où? C'est par où? C'est par où? Merci. Je suis content d'avoir pris le dossard du 20 km parce que j'aurais été frustré si j'avais fait que 10 bornes. Franchement, j'aurais été grave frustré. Donc en fait, ça me va très bien. Mais bon, on fait deux fois le tour, mais le circuit est tellement sympa. C'est vraiment mignon que passer une deuxième fois, franchement, en fait, ça pose vraiment aucun souci. Quoi. Donc c'est plutôt chouette. Une grimpette là, casse un peu les jambes. On va pouvoir récupérer après. Exactement. Florian Michel, si tu regardes cette vidéo, regarde ton petit coussin, il est là. Je l'ai coaché avant, je l'ai coaché pendant. Ah bah ça, elle savait pas, hein, moi non plus, mais bon. Ah, on avait un ravito juste après là. Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Mode machine. Moi perso, je loupe jamais un ravito. Je vais aller très vite. J'ai beau boire, mais. À gauche, ok, merci bien. Bon courage. Merci, de même. Ils sont partout. Je veux dire, impossible de se tromper. Hein. Impossible, impossible, là c'est pas possible. La preuve, il arrive même pas à s'en mettre plus loin.
Merci monsieur. C'est génial. Moi, il y a du monde tout le long. Avec le petit lac derrière. Super sympa. C'est le 17e kilomètre. Devant des belles lumières. Moi, je vais en profiter pour faire le petit ressenti de cette course. Ma foi, bien positive plutôt. Des petites, c'est plein en fait, c'est plein de petites relances. Donc, mine de rien, ça casse bien les pattes quand même. Hein, ma foi. Comme vous l'avez vu, au niveau de l'indication, de balisage, nickel, on peut pas dire mieux. Les ravitaux sont bien remplis, à chaque fois, c'est nickel. Encore une fois, temps magnifique. Donc, ouais, on est bien. Allez, courage. Balisage. Balisage 2.0. On arrive. On arrive. Ah, un petit détour évidemment. Non, il reste un bon kilomètre. Allez, on est au bout. Merci. The moment. Allez, petit sprint pour la fin. Pour au revoir. Allez. Allez, au revoir. Allez. Allez, un petit sprint. Allez. Allez, au revoir. Tape là. Allez, au bout. Magnifique. Comment t'as envoyé du steak? Alors, sont tous à l'arrivée. Ah, Lionel. Troisième, vous êtes pas de ce niveau, vous êtes même club. Bah, on court ensemble en fait, tous les jours, on court ensemble quoi. Donc, Ah ouais, il y a un peu de triche. Hein. Non. Non, allez, les spectateurs sont là. Hein. Les mecs, ils vont toujours trop loin. Quoi. Voilà, du coup, fin de l'enlisement, du coup 20 km, donc ça, voilà, super, j'ai pu donc accompagner Aurore qui a grave envoyé, c'était pas du tout prévu à la base, mais voilà, c'était nickel. Et bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le trail entre Loire et Coteaux de 35 km. Et je vous dis à bientôt, salut les Zazabiz.